Bonjour, mon nom est Vincent Lefebvre, technicien en loisirs, et j'ai le plaisir et l'honneur cette année d'animer la 11e édition du gala sportif de la polyvalente Nicolas Gatineau, qui prendra cette année une forme virtuelle. Malgré la saison écourtée, il est important pour l'ensemble des intervenants sportifs de Nicolas Gatineau de souligner tout le travail accompli. Au cours de cette vidéo, vous aurez la chance de connaître les noms des élèves qui se sont démarqués cette année en sport scolaire. Les élèves des différentes équipes seront honorés dans quatre catégories différentes. Les voici. L'élève athlète ayant le meilleur esprit sportif, l'élève athlète s'étant le plus amélioré au sein de son équipe, l'élève athlète ayant contribué au succès de son équipe, et finalement l'élève athlète ayant le mieux concilié le sport et les études. Les récipiendaires des prix vous seront présentés par sport. Bonjour. Alors, je me présente. Mon nom est Isabelle Léger, gestionnaire à la vie étudiante à la polyvalente Nicolas Gatineau. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir, en mon nom et au nom de la direction de la polyvalente Nicolas Gatineau, de procéder à l'ouverture de ce 11e gala sportif modifié virtuel, les Phénix intrépides. Cette année, chers élèves athlètes et entraîneurs, votre saison sportive scolaire aura été marquée par la persévérance, par la victoire, mais aussi parfois la défaite, par le courage, mais surtout par la résilience. Votre saison sportive s'est terminée d'une façon abrupte, sans championnat régional, sans championnat provincial, sans dernier entraînement en gym avec votre coach. Mais vous avez su vous adapter et grâce à votre adaptation, vous aurez grandi par cette épreuve. Nous sommes vraiment fiers de vous. C'est plus de 500 jeunes élèves athlètes méritants qui se sont illustrés tout au cours de l'année scolaire dans l'une ou l'autre des 12 disciplines sportives au programme et qui comptent au-delà de 30 équipes sportives. Lors de ce gala sportif virtuel, une centaine d'élèves athlètes seront particulièrement honorés. Par contre, soyez assurés que vous êtes tous des lauréates et des lauréats dans nos cœurs. Le grand constat que nous faisons à chaque année, c'est que lorsque les différents intervenants d'un milieu mettent collectivement leur énergie à la mise en place et au maintien de projets, comme la combinaison sport et études, ici à Nicolas Gatineau, cela fait en sorte que nous rendons possible la réussite de chacun par le sport. À cet égard, je vous dis merci à toutes et à tous pour votre contribution et je m'adresse ici autant à vous entraîneurs, membres du personnel, parents, partenaires de l'école et surtout à vous, les élèves athlètes. J'aimerais également que l'on prenne un temps pour souligner le travail exemplaire et le dévouement de nos entraîneurs et de nos coordonnateurs sportifs. Merci à vous tous de faire vivre cette passion sportive scolaire à nos élèves athlètes. Alors allez, bon visionnement à tous et à toutes et hâte de vous retrouver ici, à votre école, dans vos gymnases ou même sur le terrain de football. À bientôt! Pour débuter, voici les gagnants par équipe des programmes de hockey sans contact, de badminton et du 30 heures vélo. Bonjour à tous, Normand Girouard, coordonnateur de l'équipe de badminton à Nicolas Gatineau. Cette année fut la cinquième année que nous avons recommencé l'équipe et avec le nombre grandissant de joueurs, Daniel Maranger s'est ajouté à notre équipe. Il fut d'une grande aide car ça nous a permis de rajouter une pratique à l'heure du dîner en plus de nos deux pratiques régulières durant la semaine. Les gagnants pour cette année sont...
Micheline qui est Alpodrez, coordonnateur du 30 heures vélo. Alors, salut la gang, je vous félicite pour le beau travail que vous avez fait tout au long de l'année, même si on n'a pas eu la chance de pédaler ensemble pendant 30 heures de temps, mais votre dévouement pendant l'année a été super, je vous félicite, et aussi, je tiens à vous remercier pour votre participation, votre engagement, parce que c'est pas tout le monde qui est capable et qui veut se lancer dans ce défi-là. Je remercie aussi les parents qui nous ont épaulés dans la recherche de commanditaires. Ça a été fort apprécié. Et maintenant, pour ce petit gala virtuel, voici la liste des élèves qui ont été nommés pour les catégories. Tout le monde, passez un bel été et j'espère qu'on se reverra. Au revoir! Ici Jonathan Noël, directeur du programme de football des Phoenix de Nicolas Gatineau, ainsi que l'entraîneur-chef au niveau juvénile et au niveau cadet pour la saison 2019. J'espère que tout le monde se porte bien dans ces temps difficiles, tant physiquement que mentalement. On a tous hâte de vous retrouver à l'école en septembre prochain, on l'espère. Maintenant, je donne la parole aux entraîneurs du programme de hockey intrépide qui vont vous présenter les gagnants par équipe. Salut tout le monde, ici Hugo Byrne, entraîneur-chef de l'équipe Benjamin D1 de l'intrépide de Nicolas Gatineau. Voici les grands gagnants de la saison 2019-2020. Bonjour tout le monde, ici Yann Neveu, entraîneur-chef de l'intrépide de Nicolas Gatineau, catégorie juvénile D1. Aujourd'hui, il me fait un plaisir de vous présenter les quatre gagnants des trophées individuels par équipe. Félicitations à tous. Alors, bonsoir tout le monde. Bravo au concept d'un gala sportif virtuel. Je suis Simon Gagné, entraîneur-chef de l'équipe cadet Division 1 intrépide de Nicolas Gatineau. Ce soir, il me fait plaisir de vous présenter mes quatre récipiendaires dans la catégorie par équipe. Salut la gang de Hockey D1, j'aimerais remercier tout d'abord les joueurs pour votre saison en Benjamin D1, Cadet D1 et Juvénile D1. Vous avez eu d'excellentes saisons. J'aimerais également remercier les entraîneurs pour votre implication et les parents pour votre support tout au long de l'année. Alors à bientôt!
Pour continuer, le programme de volleyball tient à remercier tous ses entraîneurs pour leur implication et leur loyauté. Merci aussi aux athlètes pour leur engagement et leur implication dans ce fabuleux sport d'équipe. La fin de saison nous laisse tous un goût amer. Mais croisons nos doigts pour un retour en septembre. Bon été, la gang du volleyball! Passons maintenant au prix pour les programmes d'athlétisme, de cross-country, de crossfit et de cheerleading. Bonjour, je me présente, mon nom c'est Caroline Philippe et je suis la coordonnatrice du programme de cheerleading. J'aimerais profiter de l'occasion pour souligner le succès de nos athlètes cette année, donc félicitations à notre équipe de cheer qui a remporté la première position à la compétition Frostfest le 18 janvier dernier et également médaillée d'or lors du championnat régional scolaire du RSEQ le 15 février. Donc félicitations à nos athlètes. Et maintenant les gagnants pour le programme de cheerleading sont... Salut la gang des Phoenix, c'est Jonathan Jobin, journaliste sportif à Radio-Canada. J'aurais dû être avec vous il y a quelques jours pour notre super gala des Phoenix. Ça fait plusieurs années que j'ai énormément de plaisir avec vous, mais malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, on n'a pas pu se réunir. J'espère que le confinement n'est pas trop dur sur vous. Vous voyez que dans mon cas, ben, je commence à avoir l'air d'un ours parce que je suis pris à la maison avec mes deux filles. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans ce gala virtuel. Il faut s'adapter, il faut trouver une nouvelle solution. En tout cas, vous pouvez être fiers de votre année. Comme chaque année, vous faites de grandes choses au niveau sportif et j'espère qu'on pourra se rassembler pour vrai l'année prochaine tous ensemble à la polyvalente Nicolas Gatineau. En attendant, amusez-vous. Je suis content qu'Isabelle vous prépare tout ça sur le domaine virtuel. Alors amusez-vous les Phoenix. Go Phoenix!
Bonjour tout le monde, bienvenue à notre gala virtuel des Phoenix pour le programme de basketball pour la saison 2019-2020. Une saison qui s'est terminée beaucoup trop rapidement. Je suis autant déçu que vous de n'avoir pu aller en tournoi à Philadelphie au début mai. J'aurais aimé une fin de saison autrement pour plusieurs raisons. La première est au niveau féminin. Nous avions des excellentes chances d'avoir trois équipes qui participent aux championnats provinciaux, dont nos filles Benjamin, nos filles cadettes et nos filles juvéniles. Ça aurait été une première dans l'histoire du programme de basketball d'avoir les trois niveaux participer au championnat provincial en féminin. Nous avons aussi des beaux résultats en masculin qui s'annonçaient. Nous avions deux équipes Benjamin masculin Détroit en demi-finale régionale. Nous avions aussi nos garçons juvéniles Détroit qui avaient des excellentes chances de participer au championnat provincial. Et en plus, on avait déjà eu notre résultat très favorable avec notre équipe Benjamin masculin D4, numéro 2, qui avait gagné le championnat régional en D4. Pour ce qui est du D1, on avait aussi des excellentes chances avec nos cadets masculins division 1, qui étaient parmi les équipes favorites pour remporter le championnat provincial. Et nos juvéniles masculins, qui avaient aussi été en très bonne posture pour créer des grosses surprises au championnat provincial et terminer dans les meilleures équipes de la province. Donc, c'est les raisons au niveau basket qui étaient décevantes. Pour nos secondaires 5, vous êtes pour moi une cohorte extraordinaire. Vous serez toujours les bienvenus dans nos gymnases et j'espère vous revoir là, le plus rapidement possible aussi, avec un ballon dans les mains. Et voici maintenant les gagnants pour le programme de basketball.
avant de conclure notre gala sportif virtuel, j'aimerais maintenant prendre quelques minutes afin de rendre hommage à un intervenant, un enseignant, un entraîneur, un bâtisseur de la polyvalente Nicolas Gatineau, qui prendra sa retraite cette année après plus de 30 ans d'implication au sein de nos programmes sportifs, les Phoenix Intrépides. Cette année, notre Phoenix hommage est remis à M. Steve Bossé. Notre cher M. Bossé aura marqué l'histoire sportive de notre établissement. Enseignant en éducation physique, responsable des concentrations sportives, bâtisseur de la Ligue mini-basket, entraîneur de basket, entraîneur de volley, entraîneur de hockey, et j'en passe. Grâce à son dévouement et à sa passion pour le sport scolaire, plusieurs projets ont vu le jour au sein de notre école. Monsieur Bossé, on se souviendra de vous par votre côté visionnaire, vos idées innovatrices, votre soutien, votre partage et votre écoute auprès des élèves. Aujourd'hui, le monde du sport à la polyvalente Nicolas Gatineau souhaite vous dire merci. Sachez qu'il y aura toujours une place pour vous au sein de l'équipe des Phoenix Intrépides. Vous êtes chez vous ici. Bonne retraite et profitez de ce moment de vie qui sera le vôtre, entouré des gens que vous aimez. À tout bientôt, M. Bossé. Alors, avant de passer la parole à notre animateur, j'aimerais également souligner le travail exceptionnel de M. Joël Laroche, technicien en audiovisuel, et à M. Vincent Levèvre, technicien en loisirs, pour avoir rendu possible ce gala. Merci, les gars. Et bien sûr, je vous remercie d'avoir été des nôtres et au plaisir de se revoir très bientôt. C'est maintenant la fin du gala sportif 2019-2020 en format virtuel. Chacun des élèves honorés dans ce gala recevra une bannière à son nom pour souligner son prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en espérant vous revoir l'an prochain dans un contexte plus normal.